Bonjour, ici TSA907 et on est dans un nouveau jeu qui s'appelle Ratopia. C'est un jeu en Early Access, il est pas fini et il est quand même assez le fun et quand même un peu difficile. On va faire aléatoire pour notre personnage. Je vais aussi faire aléatoire pour les drapeaux. Ok. Play. QC. Et comme j'ai encore un peu de misère, on va rester à normal. On va désactiver le tutoriel parce que je sais. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je sais ce que je dois faire. Jusqu'où ai-je donc fui? Ces assassins semblent enfin abandonnés. Cependant, mes fidèles sujets ont également disparu. Je suppose que je devrais rester ici et me préparer. Alors peut-être cet endroit pourra devenir notre nouvelle demeure. Dun, 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 tch, tch, tch. Chargement par-dessus chargement. Ok. Donc, on va recueillir les items de départ. Question d'avoir des points de recherche le plus vite possible. Donc, c'est un jeu de gestion. Il y a notre personnage principal qu'on contrôle et on va avoir des petits sujets qui s'appellent les petites souris. Les petits. Non, c'est vrai, on est des rats. Nous sommes des rats. Si je me fie au nom des personnages, Ratopia. Puis les ratoyens. Je pense qu'ils s'appellent des citoyens rats. Donc j'ai besoin de roches, de bois. Il y a souvent un arbre à côté parce que je peux récolter des ressources. Donc, au départ, on est tout seul. Mais, on va assez vite avoir des citoyens dans notre village. Je vais juste me prendre un peu de bois. Et commencer tout de suite à avoir un citoyen qui vient m'aider. Le plus vite ça commence, mieux c'est. Et voilà. Donc, je vais pouvoir, en pesant sur la lettre Q, aller construire une grotte pour faire apparaître mes citoyens. Donc, on va sortir les ressources. Un des inconvénients que j'ai avec le jeu, c'est que si t'as pas les ressources, tu peux pas faire apparaître. Tu peux pas décider de faire apparaître le truc. Donc. Oh, si bon, ça commence le bonheur avec une pierre tombale à côté. Donc, c'est des zombies qui apparaissent. Oh, un roc qui est fort qui vient avec de l'herbe. Oui, pourquoi pas? Notre personnage peut monter de niveau. C'est aussi ça qui est. C'est le fun, ça aussi. Pour le moment, je peux juste transporter toi, mais plus je monte de niveau, mieux c'est. On va aller faire creuser un peu pour aller chercher des ressources. Et je vais essayer de planifier une construction. D'habitude, je prends le temps de me construire dans l'arbre, mais. Le coffre est tout le temps trop loin de l'arbre, donc je vais essayer de construire en hauteur pour le fun. Ok, on va voir si je vais pouvoir probablement faire une maison dans les airs. Une maison dans les airs. Allez, mon rat, mon ami rat, construis-moi un palace. On va faire un lit à mon. Ah, il faut du bois. Il faudrait que j'y fasse creuser dans l'arbre. Ah, ben, tiens, il va creuser tout ça et je vais avoir un peu d'eau au départ. Que je vais pouvoir aller chercher comme ressource. Ah, voyons voir. Les pierres tombales, ça va être une place où il va y avoir des ennemis qui vont apparaître dedans. Heureusement, quand je passe à côté, ils ne spawnent pas. C'est bizarre que je puisse pas voir plus loin. Faudrait que je me mette à creuser pour aller plus loin, mais c'est pas si important que ça pour le moment. Faudrait que j'essaie de faire une scierie. Un truc pour faire des planches avec mon bois. On va l'aider un peu à transporter les ressources. Et à amener de la nourriture. Pour le moment, j'ai de la misère avec la nourriture dans le jeu.
J'ai souvent des problèmes de « Oh, il me manque de la nourriture, donc j'y vais mollo pour le nombre de rats que j'ai au départ. » Ok, allons voir. Bon. Heureusement, le temps s'arrête quand je pèse là-dessus. J'ai besoin d'une série, donc j'aurai besoin de terre et de bois. Donc, creusons ici. Bon, je vais déraciner cette plante-là, mais c'est pas si grave que ça. J'ai rarement eu besoin de fleurs dans le jeu. À un moment donné, je vais boucherer ce trou-là. Pour le moment, c'est surtout pour que mon rat prenne des ressources, comme la roche, c'est très utile. Et du bois. Les nouveaux migrants sont arrivés. Ok. On va voir s'il y en a des intéressants. Ou sinon, je vais les virer de bord. Oh, oh, oui. Toi, t'es quand même intéressant. Je baisse de joie. La joie diminue vite. On va prendre un petit migrant bien simple. Qui va aller aider pour creuser. Et on va le prendre. On va continuer à récolter des ressources. Ah, attends, j'ai même pas construit le petit lit. J'ai pas de bois. J'ai pas encore eu de bois. Bon, ben, c'est la ressource que je m'en vais chercher, justement, juste ici. Mais. Je me suis déjà rendu quand même un peu loin dans le jeu. Mais, rendu à un certain point, ça devient assez dur, merci. Surtout qu'il faut absolument essayer de créer un chemin aux zombies qui sortent des pierres tombales pour réussir à avoir accès. Peut-être que je suis en train de divaguer dans mes mots là. Ah, désolé, un instant. Oh! Ok. Qu'est-ce que je disais? J'ai perdu le fil. La terre. Ah ouais, dépose-moi la terre et construis-moi ça. Je disais. Ouais, donc il faut faire un chemin pour que les pierres tombales, ou sinon ils vont juste apparaître dans la base, qui est assez chiant, merci. Ok. Toi, commence à me faire des planches, s'il te plaît. Je vais vous aider à récolter du bois. Et... je prends même aussi récolter de l'eau. Ça, je vais avoir déjà un point de recherche. Là, ce que j'essaie de faire, c'est le bureau de recherche ici. Pour commencer à déverrouiller des nouveautés dans ma construction. On va en avoir besoin énormément. Bon, je veux... avant, deux lits en haut ici. Ça va être peut-être intéressant, justement. Je sais pas s'ils peuvent juste spawner dans les airs, leur tunnel. Mais je sais que... ils sont assez chiants, merci. Ça va être surtout pour les ressources. Ah, attends, qu'est-ce que je viens de faire là? Je pourrais même plus monter. Désolé, Tara. Je vais t'attribuer un lit, ma chère. Tino. Et l'autre lit, ça va être pour Tara. Ah, ça pourrait être les quartiers en haut puis en bas, le zone de défense. Ça pourrait être intéressant. Donc, comme je l'ai dit, le jeu pour le moment est en Early Access, donc il va sûrement avoir des bugs. Pour le moment, j'en ai pas rencontré. Et j'espère aussi qu'ils vont changer un des trucs. J'avais construit une établi pour renforcer mon héros, qui est mon personnage principal, la reine ou la princesse, peu importe. Puis il faut genre faire faut peser rapidement sur les boutons qui viennent comme Just Dance, admettons. Je veux pas creuser ça, non. On va voir. Puis ça va juste vraiment, mais vraiment trop vite. Oh! Un qui est super joyeux. Ok. Je veux... on continue à agrandir la base ici. On va aller chercher de la bouffe. Let's go! Plus de bouffe. On a besoin de bouffe. Pour le moment, c'est juste du grain. Plus tard, on va déverrouiller autre truc. Je vais aller chercher de l'eau. Let's go! Point de recherche. Bon! Maintenant, j'ai une petite place pour
construire. J'ai pas encore les planches. Est-ce que j'ai autre chose? Je pourrais toujours faire le deuxième, troisième lit pour mon troisième rat. Pour mon troisième ami. Et on va continuer à récolter de l'eau. L'eau, ça va être utile pour les fermes plus tard. Donc, aussi bien les récolter tout de suite. On va juste attribuer tout de suite le lien de mon cher ami ici. D'habitude, je rush pour essayer d'avoir des soldats le plus vite possible, mais le départ est pas si complexe que ça pour défendre. Et que je suis capable de défendre tout seul. C'est sûr qu'à un moment donné, j'ai eu un de mes rats qui m'a dit « J'aimerais que tu recrutes des gens, je me sentirais plus safe. » Je vais le faire s'il me le demande, mais... Il faudrait aussi que je me fasse une échelle pour descendre un peu plus bas. Maintenant, avoir des choses intéressantes en bas. Ben, j'ai une idée. On va construire une échelle juste ici. Je vais enlever ce bloc-là ici. Regardez-moi ces fidèles petits sujets. T'es molli. Hein? Et non, un peu plus bas. Oh, regardez, comme on a pu voir ici, il y a eu un point, ça veut dire qu'elle a monté de force. Elle a monté en force. Est-ce que j'ai la table de recherche? Yes, let's go. Construisez-moi ça, s'il vous plaît. Tristement, on est obligé d'avoir un rat pour pouvoir avancer dans le jeu. J'ai voulu essayer de mener à fur... Non, veux-tu le dire? J'ai voulu essayer de partir une game où est-ce que j'essayais de construire le plus possible avant d'avoir des... Malheureusement, c'est pas une possibilité dans le jeu. De juste avancer avec la reine tout seul. La reine ne peut pas tout faire seule, il lui faut des loyaux sujets. Let's go! Rappelons-moi tout haut. Une chose est sûre, si j'ai besoin de quoi, j'ai juste à faire creuser là-dedans. Aller faire couper l'arbre, puis ils vont en avoir rien en masse. Oh, le gros de la nourriture ici. On va les faire creuser comme ça. Comme ça, tiens. Ça va te libérer une petite zone. On va avoir du bois et des feuilles. Je vais aller partir quelques recherches. On va aller chercher... le réservoir d'eau avec le céréal. Je vais avoir besoin... du cirque. Pour désennuyer mes villageois. Voyons voir. Je vais peut-être pouvoir construire mon cirque ici. Je vais garder mes rats en hauteur. Il faudrait aussi que j'aille apprendre les portails. Que je construise un monsieur qui récolte les ressources. À la date, j'ignore c'est quoi le plus... la meilleure solution dans le jeu qui est... Est-ce que c'est de construire sous terre, comme des nains le feraient? Ou c'est de se construire à... dans les... Non, peux-tu le dire? À la surface. Réservoir d'eau terminé. Les réservoirs d'eau vont juste me permettre de nommer quelqu'un pour qu'il aille chercher de l'eau lui-même. Et que j'arrête, moi, d'aller chercher de l'eau. Mais c'est pas grave, pour le moment, il y a juste un petit peu d'eau. Je peux très bien faire ce sol. La plupart de mes rats sont partis dormir. Voyons voir. Meurt en dessous de 20 de joie, pleure, 40 de joie et moins. Dors au sol, aime le leader. Oh. On pourra aller chercher deux rats. One shot, let's go. Ils ont des skills, des trucs qu'ils aiment un peu plus simples. Le cirque n'est pas encore fini. Oh, attends, j'ai besoin de toilettes, c'est vrai. On va lui faire construire... un récolteur de ressources. Et on va lui faire aussi faire
deux toilettes. Deux toilettes, j'ai dit. Comme ça, ils vont pouvoir se nettoyer et faire leurs besoins. Moi, je vais continuer à construire vers le bas. Heureusement, je peux construire moi-même. Attention, ne descendez pas. C'est plein que vous tombez et que vous cassez la gueule. Hé, de l'herbe. J'ai besoin de l'herbe. Donne-moi l'herbe. Regardez-moi ça, j'ai tellement de bouffe ici. Je vais pouvoir lui dire. Prenez-moi tout ça. Hey. Oh, du fer! Wow! Du fer déjà. C'est du cuivre que j'ai trouvé en premier. Mais non, j'ai trouvé du fer. Let's go. Chop, chop. Chop, chop. Donc ça, ça fait juste... ils vont cueillir, ils vont pas couper la plante. Oh, des champignons! C'est gros de la bouffe, ça. Ok. On va se construire de quoi pour aller voir ces champignons. Ça va peut-être même me faire faire la recherche. Ah, attendez, on va aller construire le cirque. Il va y avoir le cirque. Je pourrais peut-être le mettre ici. Maintenant, j'ai trouvé plein de plantes en dessous. Ouais, c'est ce que je vais faire. On va enlever cette plante-là. Enlève-moi ça. Coupe-moi ça. Je veux un cirque. Je veux un clown. Je veux voir le clown jongler et amener de la joie dans la vie de mes citoyens. Ah ouais, il m'en faut un autre. Let's go. Coupe-moi ça. Construis. Ok. Service. Que clown. Que clown. On va enlever le truc du chemin. Enlève tout ça. La graine de céréales. Ce qui est étrange, c'est que j'ai pas besoin de la graine de céréales pour faire. Attends, tu peux. C'est-tu ici? C'est ici. C'est pas de la graine de céréales, il prend des grains tout court. En parlant de grains, on se met. Se le planter tout de suite à quelque part. Se faire. On va se faire la ferme juste en dessous du coffre. Comme ça, ils vont creuser ici. Il a fait un coup. Il a fait son besoin. Et continuons à construire vers le haut. Hein, pourquoi pas? Je vais aller engager quelqu'un pour le clown. Pour les clowns. Pour le départ, ça dérange pas tant qui est-ce qu'on prend. De toute façon, ils vont devenir meilleurs au fur et à mesure. Ils travaillent. Yeah! Ils jonglent! Yeah, c'est drôle! Ok, voyons voir. Lors d'une bataille, il est faible. Il est fort, mais il n'aime pas le leader, donc c'est pas une bonne idée d'avoir lui. Surtout qu'il est tout à 1 et 0 partout. Ben, viens donc. Tu ne seras pas un combattant, ça c'est sûr. Mais tu vas pouvoir creuser et faire d'autres choses pareilles. On va prendre les trois petits trucs d'eau. Et il faudrait que je nomine quelqu'un pour ramasser l'eau. Je le mets sur la surface en haut. On va le mettre en bas. De toute façon, ça fait juste en sorte qu'il y a quelqu'un qui a le travail. Ok. Construisons. Ça fait vraiment bizarre de se construire de même. Le dernier coup, dans une de mes games, j'ai construit à l'intérieur de l'arbre. C'était un peu plus normal, tant qu'à moi. Puisque c'était des rats qui vivaient dans l'arbre. Oh, du cuivre! Oh, c'est quoi ça? What? Arbre cristal. Antre de chauve-souris. Ok. C'est la première fois que je vois ces ressources-là, alors... on va se couper cet arbre-là. Arbre cristallin. Ouf! J'ignore s'il y a une façon d'augmenter mes outils. Peut-être plus tard.
Ah, du cristal. Ok. J'ai du cristal que je ne pourrai sûrement pas utiliser avant un méchant bout. J'entends quelqu'un ronfler. Ouais, toi, tu vas aller chercher de l'eau. Ok. Ah, j'ai besoin de plus de lit. J'ai pas plus de terre, right? Oh, j'en ai. Ok, on va se faire un simple lit. Des simples lits ici. Qu'est-ce que je pourrais bien faire d'autre? Je vais avoir besoin de me faire un lit un moment donné, ça c'est sûr. Laboratoire aussi. Je vais te faire l'épisode ici, puis on va se reprendre après. Ouais. Donc le laboratoire, faut que j'attende. Ah, la première wave d'ennemis arrive dans pas long. Mes chers amis, venez donc couper du bois. Et on se revoit à la prochaine.